Et salut tout le monde, c'est FBI, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je suis en compagnie de mon cousin Dakin. Donc voilà, il est juste ici et donc dans la vidéo on l'entendra pas parce que j'ai pas mis le son de son micro sur ma télé, voilà, pour pas qu'on l'entende tout simplement. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de l'Eurosat. Donc l'Eurosat en fait c'est une attraction dans le parc d'attractions Europa Park. Donc j'ai reproduit sur la map Minecraft, donc ça je pense que vous êtes au courant, vous l'avez déjà dit. Et donc voilà, je viens de la finir aujourd'hui, donc voilà, je suis vraiment content parce que j'ai mis beaucoup de temps pour la construire, juste la sphère là, la boule, la grosse boule grise là. J'ai dû mettre entre 7 et 12 heures à peu près, donc voilà, j'ai vraiment mis beaucoup de temps. Là comme ça, on dirait que ça met pas beaucoup de temps, mais voilà, j'ai vraiment mis énormément de temps. Et sachant qu'elle comporte 17 706 blocs, voilà, c'est ça. Voilà, ben ça a mis longtemps, en plus je l'ai fait tout seul. Donc en fait j'ai fait tous les contours tout seul, donc tout le gris que vous voyez. À l'intérieur, il y a un doublage en noir pour que ce soit tout nuit dedans pour pas qu'on voit. Et donc voilà, ça je me suis fait aider heureusement par mon cousin Dakin. Et donc par un de mes potes, Mathieu, et d'ailleurs, petite dédicace à lui, il a pas pu venir pendant la vidéo. Donc voilà, c'était quelques petites précisions sur cette attraction. Donc là je vais vous balancer quelques petites vidéos de la construction de cette sphère en accéléré. Et donc à la fin de la vidéo je vous balancerai donc voilà une petite vidéo de l'attraction pour vous montrer un peu le rendu. Et donc voilà, je filmerai dans l'attraction. Et donc voilà, donc moi je vous souhaite une bonne vidéo et ciao tout le monde, bye. Finally, the time has come.